Alléluia, bonjour les bien-aimés, et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut s'abonner et partager. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Si Dieu a permis que tu sois en vie, tu lui merci. C'est vrai, tu peux. Beaucoup de gens n'ont pas pu se réveiller aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas réveillés. Mais ce n'est pas parce que tu es mieux que ceux-là, hein? C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Que son nom soit béni. Tu t'es réveillé, béni Dieu. Avant d'aller te laver, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur tous les jours dans tout ce que tu fais. Remercie le Seigneur. Qu'on voit la main du Seigneur sur toi. Jésus-Christ est notre bannière. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Il est notre appui. Il est notre forteresse. Il est notre guide. Il est notre berger. Il est celui-là même qui veille sur nos vies. Il est celui-là même qui veille sur Israël, qu'Israël soit béni. Alléluia. Que son nom soit élevé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le maître de nos vies. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui bénit, qui élève. Alléluia. J'espère que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit te béni dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te dirige près des eaux paisibles. Le Saint-Esprit est le même. Il n'a pas changé. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il n'a ni commencement ni fin. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Saint-Esprit est dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Il est en toi. Tu es converti. Le Saint-Esprit est en toi. Ne fais pas les sales choses. Aujourd'hui, les gens empoisonnent. Les gens font des sacrifices. Il y a tellement de sales choses dans notre pays ici. Mais je vais te dire quelque chose, sois prudent comme le serpent. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous allons prendre Malachie 4 et nous allons lire le verset 2. Alléluia. Et pour vous qui craignez mon nom, cela verra le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes. Bon, tu peux continuer après. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Il n'y a pas de justice dans notre pays ici. Mais je vais dire quoi, c'est dans tous les pays africains. Mais que le nom du Seigneur se soit glorifié. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe à Ouméla. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il y aura beaucoup de violence, et il y aura des tueries. Et je vous avais donné une révélation hier où les gens prenaient les abondances et autres là pour aller les sacrifier aux démons. C'est la suite. Je fais la première partie. C'est la suite, ça. Et le Seigneur me dit, regarde, ils vont les prendre. Et je voyais, bon, quand on priait, il y a des gens, ils fuyaient quand ils reprenaient leurs esprits, ils